legal system. It says what? The British common law lie on the premise that everybody is innocent unless proven guilty. Then with the French civil law, it lies on the premise that everybody is guilty unless proven innocent. So that is why in all those zoos they call the French colonies in Africa, they don't respect human rights. A president or a director. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre à cause de la qualité. Beaucoup d'animations autour de vous, nous ne vous suivons véritablement pas. On va poursuivre avec un autre appel. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fonda. Bonsoir. Oui, c'est Pourret à l'appareil. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Pourret. Oui, j'ai une question à l'attention de Monsieur Kouni. Monsieur Kouni, supposons que vous soyez chef de l'État. Supposons que pendant votre mandat, une rébellion, quelque part au Cameroun, pas nécessairement au nord-ouest, peut-être ailleurs, et qui prend une partie de la population en otage, en l'empêchant de vaquer à ses occupations quotidiennes. Question, qu'est-ce que vous allez faire pour réinstaurer l'ordre public? Maintenant, une remarque à l'attention de Maître Biliga. Monsieur Biliga, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux Camerounais que l'ONU et la CEP n'interviendront pas. Là, vous avez raison. Mais il ne suffit pas également non plus de citer les cas où l'ONU et la CEP sont intervenus. Il faut également ajouter un détail que vous connaissez et vous oubliez sciemment. Vous ne voulez pas dire aux Camerounais. Ces organisations n'interviennent pas à pur altruisme. C'est parce que ces organisations, à travers, n'est-ce pas, les États qui dirigent ces organisations, poursuivent un certain intérêt. Alors, il faut dire souvent cela également aux téléspectateurs. Et là, ça sera équilibré dans votre façon, n'est-ce pas, de diffuser l'information. Sinon, c'est un peu faire de la manipulation de votre côté également. Merci. Bonne continuation. Merci à vous pour cet appel. On poursuit avec un autre appelant. Bonsoir. 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 Oui, Monsieur Tonga, allez-y, vous êtes en direct. Bonsoir. Malheureusement, quelques difficultés à vous recevoir. Messieurs, rassurez-vous, vous répondrez aux questions tout à l'heure. On va poursuivre avec un autre appel. Bonsoir. Monsieur Abouba, bonsoir. Monsieur Abouba, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Oui, je vous reçois. Oui, allez-y, Monsieur Abouba, oui. Oui, monsieur. J'ai les larmes aux yeux quand je vois mes frères et sœurs tomber du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas une joie, ce n'est pas de la gaieté. Nous voulons défendre notre intégrité, nous voulons défendre notre patrie, notre pays. Je ne m'oppose pas à monsieur Kouni. Mais je m'oppose à une déclaration quand Maître Momo voulait dire que les gens du Sud-Ouest ne se communiquent pas avec les gens du Nord-Ouest. Il a tenu à dire à Maître Momo qu'est-ce qu'il en sait. Ça m'a fait mal. Qu'est-ce qu'il en sait? Parce que quand tu poses ce genre de questions, ça veut dire que tu connais ce qui se passe sur le terrain. Que M. Kouyé nous dise exactement ce qui se passe derrière cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos frères. Les gens, les militaires, les soldats qui meurent, ce ne sont des anglophones, même comme on est venu nous tromper avec les appellations anglophones, francophones, alors que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons notre patrie, notre pays. Nous défendons notre pays. Mais il ne faudrait pas que, si nous avons des secrets, que nous pouvons aider même l'État, le chef de l'État, à ce qu'on sorte de avec ces idées, nous refusons de dire ici sur le plateau, M. Kouyé. Si vous connaissez comment ça s'opère, dites-nous directement. Ça nous fait du mal
d'entendre que vous dites qu'ils se communiquent. Comment vous avez fait pour savoir que ces gens se communiquent, M. Kounye? Ça nous fait du mal. Bonne soirée, M. Dupondo. Merci à vous pour cet appel. Et nous prenons un autre appelant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Haruna Douambage, donc président de l'ONG ANA et président de la coalition Afrique Engagée. C'est une coalition des leaders engagés pour la défense de nos États contre les déstabilisateurs qui sont l'Occident. Donc pour vous dire en ce qui concerne le Cameroun, je suis un peu les débats sur Afrique Média, mais j'ai l'impression que jusqu'à ces jours, les Camerounais négligent un peu la situation au niveau du Cameroun. Je vous dis, je vais vous le dire, hein, le Cameroun est en guerre. C'est une guerre qui a commencé et elle ne s'arrêtera pas. Elle ne s'arrêtera pas et c'est une guerre qui a été bien goupillée, bien montée par la France et les États-Unis. Donc, vous parlez aujourd'hui des terroristes, vous parlez aujourd'hui des attaques, vous parlez aujourd'hui, on commence à des accusations sur l'armée camerounaise. Mais le Cameroun est en guerre. Il faut que le peuple camerounais se lève. Il faut que la population camerounaise sorte pour dénoncer les États-Unis et la France pour que ça puisse s'arrêter. Parce que je vous dis, le Cameroun est en guerre. Ce n'est pas un jeu. Ne plaisantez pas avec ça. Ne restez pas avec des gros débats. Le Cameroun a besoin aujourd'hui que tous les Camerounais se lèvent, que tous les Camerounais se donnent la main, y compris nous les Africains. Nous allons tous nous donner la main pour dire une fois non à la France et aux États-Unis. Ce n'est pas à eux de décider du sort, de qui ils doivent mettre au pouvoir dans un pays, dans un État africain ni au Cameroun. Donc je vous dis, je vous répète, le Cameroun est en guerre. C'est une guerre, ce n'est pas ce que les gens pensent jusque-là. Mais vous allez l'écrire, je vous répète, c'est une guerre qui ne cessera pas parce que c'est déjà bouclé. Il n'y a que le peuple qui peut arrêter cette guerre-là. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour cet appel. Nous prenons un autre. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Dipondo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et bonsoir à vos invités. M. Dipondo, il y a une chanson ivoirienne qui dit souvent « Premier Gaou n'est pas Gaou ». Donc, nous savons ce que ces Occidentaux-là veulent de nos pays. Donc, c'est à nous de ne pas prêter le flanc. Bon, ce que nous faisons exactement, ce qui se passe en zone anglophone par rapport au Cameroun, c'est exactement ce que veulent ces gens-là. Et donc, moi, je n'aime pas les situations où l'élève corrige lui-même ses propres copies ou bien le joueur est l'arbitre du match. Et c'est ce qui se passe avec les images que vous montrez là et tout. Vous espérez vraiment de l'armée camerounaise qu'elle vienne montrer des preuves qui l'incriminent? On nous parle des trous qui sont tirés de l'intérieur, des balles de chevrotine et tout, etc. Moi, je peux vous faire 100 films comme ça qui vous montrent que je suis le héros de la guerre. Donc, ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est que nous perdons nos frères là-bas, que ce soit nos soldats comme nos populations anglophones, nous perdons nos frères. Et il faut arrêter cette histoire-là. Et je suis totalement d'accord avec Maître Biliga qui vous dit, quand vous prêtez le franc à l'Occident, il peut prendre toutes les raisons qu'il veut pour intervenir chez vous. Donc le gouvernement camerounais aujourd'hui, qui est comme un bateau ivre, parce qu'on se demande, est-ce que le chef d'État est au courant que les soldats vont faire ce genre de choses dans ces zones-là? C'est une question très très importante. On ne sait pas si le chef d'État est au courant, puisque la mode au Cameroun maintenant, c'est de ne pas exécuter les ordres qu'il donne. Voilà la mode au Cameroun. Donc, est-ce que ce n'est pas ceux qui, comme le disait son fils sur le plateau, ce n'est pas ceux qui tirent les ficelles, qui sont en train de monter même une fausse armée pour aller faire ce... Est-ce que c'est l'armée camerounaise qui a tué les Camerounais dans ces conditions-là? Ou bien, si c'est l'armée, quels sont ceux qui ont donné l'ordre d'aller faire ce genre de choses? Est-ce que le président de la République est au courant de cette situation? Donc, je disais, premier Gaou n'est pas Gaou. Nous savons que ces gens-là, vous leur donnez la moindre petite opportunité, ils sautent dans votre pays. Donc, le président de la République, il a toute sa responsabilité aujourd'hui. Au lieu de partir du Cameroun, en servant les enfants du Cameroun à ces violeurs de l'ONU, parce qu'ils vont arriver, et ils n'ont pas de programme, c'est violer tous les enfants, garçons comme filles, de moins de 10 ans dans un pays, les saccager.
Et si c'est ça que le RDPC et ce pouvoir-là, ou si c'est ça leur programme pour nous amener dans cette direction-là, nous allons nous lever pour leur dire non. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec M. Kounye. L'opposition doit se lever et dire à ce pouvoir-là que nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Parce que ce qui se passe en zone anglophone va se passer demain à Douala, ça va se passer demain à Bafoussam, ça va se passer demain même à Yaoundé. Parce que c'est tout le monde qui souffre de cette histoire-là. Et M. Guy Fondop, soyons un peu vigilants sur ce qui se passe. C'est la guerre contre le franc CFA. On est en train de nous détourner du vrai sujet. Parce que vous avez mis plusieurs sujets sur le plateau là depuis quelques jours, que ce soit la Guinée équatoriale, que ce soit le Tchad. Vous vous rendez compte, le Tchad veut payer les fonctionnaires avec des par nature. Pourquoi par nature? Parce qu'elle n'a pas sa monnaie. C'est cette guerre-là qui se déroule comme ça sur nos yeux. Nos frères anglophones se revendiquent quoi? Ils revendiquent un simple bien-être. Mais ils n'ont, c'est pourquoi le président ne peut pas leur fournir ce bien-être? Parce que nous n'avons pas la, ils n'ont pas le CFA. Le fils Obiang Nguema est parti acheter des maisons en France. Pourquoi? Parce que c'est le franc CFA qui lui imposait. La France vous dit, le président Obiang l'avait dit, quand il veut décaisser son argent, la France ne lui permet pas de décaisser l'argent comme elle veut. Donc tous ces petits micmacs là où on est en train de se tuer entre nous vont nous détourner du vrai sujet qui est de le trouver. Malheureusement, nous avons été interrompus. On va poursuivre avec un autre appelant. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Cameroun, on a entendu des gens crier, les hommes politiques, les avocats, tout genre, ont parlé, on a tout dit. Mais maintenant, personne ne dit qu'on a vu Ghana faire marcher, faire une manifestation avec le drapeau des Amazoniens. Il y avait les Blancs dans ce groupe-là. Personne n'en parle. Récemment, les Amazoniens lui ont fait porter leur chapeau de commandant. Commandant, je ne sais pas où, de quelle armée, ou commandant de mission. Ces jours-ci, même, ils devaient avoir une réunion concernant quoi, parlant de, comment on dit ça, comme si ça devait avoir lieu à l'ONU. Et ça a été reporté. Tout ça, le nom de Ghana est là. Là, les gens ne parlent pas. Ça dit, quand Ghana est camerounais, quand il faut amener des conneries, mais quand maintenant on l'expulse en tant qu'Américain, on crie. On crie. Oh my God, c'est grave. Je suis vraiment déçu. Déçu des politicards qu'on a en Afrique là-bas. Mfundi a dit que si lui, il était encore jeune, il devait aller combattre l'armée. Mais il y a des vieux qui combattent, hein. Quand il s'agit de défendre son pays, on combat. Donc, lui, il peut aller aider les Amazoniens. Il n'a pas de la famille. Il n'a pas les enfants. Dégueulasse, vraiment. Ah, on dit que Biya est vieux. Lui-même, Fondui, il est encore président de son parti. Il est encore président de son parti. Il ne pouvait pas passer la main. Il est président de son parti jusqu'à quel âge? Si lui, il est président de son parti jusqu'à aujourd'hui, c'est la présidence qu'il pouvait laisser. Guy Fondop, excusez-moi, bonne soirée. Hein. Eh ben, bonne soirée, madame. On est, voilà, le plateau est très divisé, mais voilà, nous sommes avant tout frères et sœurs, et voilà, on ne saurait aller au-delà de ce qui nous oppose au plan idéologique. Voilà, on va rapidement quitter le standard pour permettre aux uns aux autres de répondre aux questions. Il y a des questions pratiquement pour tout le monde. Je commence par vous, Emmanuel Kounye. Oui, oui. On y arrive, maître Jean de Dieu Momo. Je commence par vous, Emmanuel. Oui, ce sera pour tout à l'heure. Merci. Emmanuel Kounye, vous avez été interpellé à plusieurs reprises. Je commence donc par vous. Alors, un téléspectateur a demandé ce que vous pensez des soldats qui meurent tous les jours. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas sur le plateau pour écraser une larme pour le repos éternel de leur âme? Nous l'avons dit, je l'ai dit mille et une fois, nous ne sommes pas d'accord qu'un seul Camerounais meure. Le problème n'est pas de ne pas être d'accord. Le problème, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus. C'est ça notre problème. Et nous pensons que cette guerre ne devait pas avoir lieu. Il ne fallait pas déclarer la guerre. Et si ceux qui nous gouvernent ont pensé que la solution a été la guerre, il fallait que ce soit une solution qui, dans un temps relativement court, arrive à la solution. Et quand bien même on aurait choisi cette voie et qu'on se rende compte que 3 mois, 4 mois, 6 mois, cette solution ne porte pas les résultats, il fallait changer de méthode. Et c'est pour cela que nous disons et nous continuons à dire. Et puis nous avons également dit que nous ne comprenons pas pourquoi c'est nos enfants qui sont au front. Parce que les gendarmes qu'on tue sont des enfants de 18 ans, de 20 ans, de 24 ans. Et il y a des soldats expérimentés qui auraient pu
y aller, qui sont devant les microfinances pour attendre 5 000 le soir. Tout ça, c'est des manœuvres qui perturbent, qui nous perturbent énormément. Donc, nous ne sommes pas d'accord qu'un seul Camerounais meure. D'ailleurs, j'ai dit sur votre plateau qu'il fallait qu'on fasse tout et tout pour arrêter cette guerre parce qu'un Camerounais qui meurt, il n'y a pas de contrepartie. On ne doit pas mourir pour l'orgueil, pour l'honneur, pour quoi que ce soit. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est ce que nous avons dit et nous avons toujours dit. Mais il y a d'autres questions que, vous n'avez, que j'ai eues. On m'a dit que Maître Momo... J'y arrive. Les questions de Maître Momo sont également sur la feuille. Alors, un téléspectateur nous a contacté de l'Afrique du Sud et ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on parle toujours des poursuites qui pourraient être engagées contre le président Biya et non pas contre ceux, justement, qui envoient les enfants combattre. Oui, mais quand une procédure est ouverte, absolument, il y a deux camps. Il y a deux camps. On ne peut pas ouvrir une procédure contre un camp et puis ne pas ouvrir une procédure contre l'autre. Donc, les gens ont parlé du président Biya parce que c'est le président de la République. Mais dire qu'il y a une procédure, s'il y a une procédure, ça veut dire qu'il y aura des témoignages, on va certainement voir qui est concerné par quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que le plus important n'est pas d'ouvrir la procédure et amener tout le monde. Ça sera une confusion dans le pays. Ce qu'il faut, c'est mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas les procédures, ce n'est pas ceci ou cela. Et nous continuons à dire que si le chef de l'État dit « je ne veux plus entendre parler de cette guerre finira ». Lui, il a demandé, quand Maître Abobala a été en prison, qu'on relaxe tous ceux qui ont été arrêtés. Il a dit de relaxer certains Camerounais qui ont été interpellés dans le cadre de cette crise. Il n'a pas dit certains des Camerounais qui ont été relaxés. Certains Camerounais qui ont été interpellés lors de cette crise. Ça veut dire tout le monde. Mais les gens sont allés relaxer quelques-uns. Et les ponts du pouvoir, chacun a gardé son prisonnier en prison parce que c'est eux qui géraient ces prisonniers-là. Et ça a envenimé la situation. Mais le président, quand il a demandé de relaxer tout le monde, si on avait relaxé tout le monde, au moins il demandait de relaxer tout le monde, je pense que le problème ne se serait pas envenimé au niveau de cela. Vous voyez que maintenant, pendant que ça chauffe sur le terrain, et on est en train de chercher la solution, ils sont en train de donner... De condamner encore des gens, de les condamner pour envenimer encore les affaires sur le terrain, alors qu'il est question pour nous de mettre fin à toutes ces histoires-là. Le chef de l'État peut déclarer amnistie générale, demander à tout alors, est-ce que le monde. Cameroun... Que le chef de l'État dise je ne veux plus entendre parler de cette guerre, je demande l'amnistie générale, que ce soit les gens qui sont de l'autre côté ou de ce côté, je demande à tout le monde, à partir de juste, je ne veux plus entendre parler de ça, vous êtes tous mes enfants, je ne veux plus entendre un coup de feu. Qui le dise si l'amnistie. Alors, répondez aux deux autres. Que le chef de l'État dise que tout le monde s'arrête. Qui parle? Le chef de l'État ne prend pas la parole. Qu'il parle, qu'il dise que je ne veux plus entendre parler de cette affaire. C'est lui le chef de l'État, c'est lui qui détient le pouvoir. Mais quand il ne dit rien, les gens vont à gauche et à droite, les gens suivent des ordres, on ne sait pas qui donne les ordres. Vous voyez le nord, ouest, sud-ouest. En réalité, il y a des gens qui sont quelque part tapis dans l'ombre, qui donnent des ordres. C'est pour ça que j'ai dit à Maître Momo, quand il a dit que le nord-ouest et le sud-ouest ne se communiquent pas. Bon, quand je dis qu'est-ce qu'il en sait, ça veut dire qu'est-ce qu'il est sûr. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Ça peut être qu'ils se communiquent, ça peut être qu'ils ne se communiquent pas. Je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent écouter. Je ne suis pas un passionné d'une situation. Je dis que la situation actuelle, il faut l'arrêter, que le chef de l'État sorte, qu'il fasse un discours, qu'il dise qu'il mette fin à cette guerre, que tout le monde mette fin à cette guerre. Si vous savez que c'est moi votre patron, je ne veux plus entendre que quelqu'un apporte une arme. Je veux que cette guerre cesse à partir de la minute où je suis en train de parler. Et que les gens continuent, nous verrons ceux qui auront contribué. Les deux autres questions, oui. Emmanuel Cougnier, oui. Vous avez encore deux questions devant vous. Allons-y. Oui. L'autre question était que vous puissiez donner plus d'informations parce que selon l'un de nos téléspectateurs, vous maîtrisez parfaitement les mouvements dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Donc il attend de vous que vous puissiez personne davantage. Personne ne maîtrise un mouvement. Il ne faut pas interpréter. Oui. Il ne faut pas prendre ce que les gens disent au premier degré. Et puis ce genre d'insinuation, tout le monde peut le faire. Je m'en fais parfaitement. J'habite là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens se mettent dans leur coin et disent « on maîtrise parfaitement ». Oui, c'est même moi qui ai créé la guerre. Je maîtrise parfaitement quoi? Qu'est-ce qu'il entend par « je maîtrise parfaitement » Quand on est dépassé par les événements, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont trouver des solutions là où les solutions ne se trouvent pas. Personne ne maîtrise. J'ai dit à Maître Momo, qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il a dit de manière péremptoire que les gens nord-ouest n'ont aucune relation avec les gens du sud-ouest. Ils peuvent avoir des relations avec eux, comme ils peuvent ne pas avoir. C'est dans ce sens que je dis, on ne peut pas le dire de manière... Personne ne sait ce qui se passe. Et puis, ces gens... Si l'armée savait où se trouvait, il les aurait délogés. Chaque jour, ça va davantage. Vous pensez qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait comment ça se passe? Si moi, je peux savoir et l'armée ne sait pas, je suis plus informé que l'armée. Je suis qui? Donc, il faut que les gens cessent de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, j'ai dit, mon problème, c'est le chef de l'État. Il doit nous dire, la guerre est terminée. J'ai déclaré la guerre, mais je me suis rendu compte que mes enfants sont en train de s'entretuer. C'est pas ce que je voulais. Je croyais vous intimider et vous amener à vous calmer et à mettre à côté toutes vos récriminations. Mais comme tel est le cas, je vous demande d'arrêter d'abord. Je veux discuter avec vous. Merci. Mais je merci. Veux que tout le monde arrête. Merci à vous. Est-ce que nous attendons de lui? Oui, Maître Joseph-Claude Biliga, vous avez également
été interpellé, mais avant, Maître Jean de Dieu Momo, vous souhaitez dire quelque chose, oui? Allez-y. Je ne veux pas dire quelque chose. Alors, on va poursuivre avec Maître Biliga. Vous avez également été interpellé par les téléspectateurs qui vous informent qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux des préfets enchaînés et d'autres personnalités parfois qui ont été enlevées. Alors, ils vous demandent si, ce que vous dites de ces images-là et voilà. Mais ce sont des mauvaises images, moi je l'ai dit. Je suis clair et net. Je ne suis pas pour la sécession. Je ne suis pas pour la guerre. Qu'elles viennent de gauche ou à droite. Ce que je vois, qu'on nous montre comme image, on a montré une série de jeunes personnes qui disaient qui ont été pris en otage et qui demandaient qu'il faut sur les réseaux sociaux et autres, on regarde à nouveau la télévision. C'est pas bon. La guerre n'est pas bonne, c'est ce que j'ai toujours eu à dire. C'est-à-dire que je condamne la manière la plus ferme, c'est l'enlèvement des sous-préfets. Moi, j'ai perdu des neveux dans la guerre. Dans cette guerre du Sud-Ouest, il y a un de mes neveux qui est mort récemment, M. Barouya, il est mort récemment, dans le Sud-Ouest. Il y a un autre encore, d'un monsieur que je connais très bien, son gars est mort, mais lui il est mort au niveau du nord de Boko Haram, avec la guerre de Boko Haram. Nous tous subissons ça dans nos chairs. C'est la raison que nous disons, nous sommes tous Camerounais. Si on peut trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de guerre, ce serait l'idéal. Mais ça ne sert à rien, mais moi ce que j'ai toujours eu à condamner, je le dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils sont plus patriotes que les autres. Et qui veulent qu'à tout prix que l'armée aille tuer, que l'armée tue, etc. Je dis non, il n'y a pas des gens qui sont contre l'armée, moi je ne suis pas contre l'armée de mon pays. Elle fait un bon travail, mais ce que je dis c'est que si nous pouvons éviter les morts, qu'elles soient de l'armée ou de l'autre côté, c'est bon. Oui, allez-y Monsieur Baoula. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question... Je voulais dire quelque chose qui est à retenir. Le président de la République sait tout ce qui se passe. Ne vous ennuyez pas. Il a deux pans. L'orthodoxie de la bonne information par la voie officielle. Et il a ses arcans. Ça veut dire qu'il a mis un système autour de lui. Et c'est normal, quand on est chef, il faut maîtriser sa chefferie. Hein. C'est ça qu'il s'agit. Mais maintenant, le vrai problème qui est ici, c'est quoi? C'est que cette guerre ne peut pas finir. Parce que c'est une guerre haineuse. C'est une guerre qui est créée autour de l'intérêt égoïste. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la finir, il faut plutôt arrêter les fonctionnaires, interpeller un certain nombre d'opérateurs économiques qui mettent en mal notre pays. Ce n'est pas ceux qui sont sur le terrain qui sont dangereux. Parce que le chef d'État ne peut pas dire, comme quelqu'un a dit, arrêtez cette guerre. Vous respectez votre parent. Vous allez d'abord vous battre, vous tuer. Et dès que vous voyez que le papa ne dit rien, il vous observe, vous dites comme non, on attend d'abord que papa siffle la fin de la récréation. Mais c'est des histoires. Si le président de la République, en tant que chef des forces armées, se met au micro et dit cette guerre doit cesser dans l'orthodoxie de l'armée en respectant les règles de l'art et les lois, je suis d'accord. Mais quand tu as familiarisé cela, qu'il outrepasse la loi, que demain il devient celui qui est le fautif, je dis non, on va tromper Paul Biya quand je ne serai plus là. Je veille au grain et je sais de quoi je parle. Je connais les ennemis de la République. Malheureusement, je dis, l'exécutif a ses moyens. Il a sa façon de faire. Mais si c'était que moi, c'est une guerre qui serait finie. Parce que nous connaissons les qui nous connaissons. Moi, je connais les gens qui sont là, la tienne. Je peux les citer. J'ai toujours cité ça. Et pourquoi ça ne prospère pas? Parce qu'on est entré dans l'oligarchie de l'Église. Ne faites pas ça. Ça risque de pencher les mœurs. Je suis de ceux qui... Je suis le Camerounais qui a dit au chef de l'État, si vous n'êtes pas au courant, de ne plus donner un franc à Kavaïgué et le secrétaire général, la présidente, 5 francs qu'il ne donne pas. Et on est où aujourd'hui? Il y a une solution. Parce que les gens sont des malins. Parce que tout le temps, quand on veut... Non, il faut essayer d'arranger, on arrange quoi? Et c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai proposé, tout le monde trouvait que c'était mauvais. Je suis le premier qu'on a à avoir dit que Kavaïgué était un terroriste. Et j'assume. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai? Bouba est parti en prison, pourquoi? Son secrétaire particulier, son gars du coin particulier,
parce qu'ils détenaient des informations. On ne peut pas accepter dans un pays où Mukete est installé, il a ses enfants qui font dans le pétrole. Est-ce que vous savez combien il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important? Regardez les financements se font. Les financements se font même à travers, pas seulement les ONG, à travers les salons de coiffure. Je connais une jeune fille, je ne donne pas son nom, pour ne pas le mettre en mal, qui œuvre pour les Amazoniens et elle est ici en ville, elle passe même dans certains médias. Dans les monnaies, elle est là, elle est ici. On ne peut pas continuer comme ça. Les ennemis sont connus. Dès qu'on veut parler, dès qu'on veut poser un acte, non, ne touchez pas. Quand cette histoire a commencé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je donne raison à ce téléspectateur. Ils ont fait ce qu'on appelle un programme. Chaque fois, il faudra revenir et chaque fois, le dosage sera en fonction de la demande. Et les gens sont identifiés. Le problème, c'est que nous avons un conglomérat qui est autour de ce que... Bon, dès qu'on interpelle quelqu'un, on rejournalise l'affaire. Ah, c'est parce qu'il est de tel coin qu'on a interpellé. Ce n'est plus le roi, ce n'est plus ceci. Maintenant qu'on a vu que l'armée est loyale, parce que le vrai problème, c'est qu'on a voulu incruster la guerre dans l'armée. La haine. D'accord? Et l'armée n'a pas laissé pénétrer cela. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un certain nombre de certains hauts officiers, hein, dont j'ai toujours cité les noms, qui ont commencé à créer ce qu'on appelle les parcimonies. On affectait les gens en fonction de la tête. On affecte les gens en fonction de la haine. Expliquez-moi, le directeur central de la gendarmerie, il s'appelle Elo Kobi. Vous mettez un officier. Vous n'avez pas le droit de notifier quelqu'un sur une table. Qu'est-ce que fait le colonel Meka aujourd'hui? Vous êtes général. On vous transmet une notification. Vous venez notifier la table. Parce que vous avez dans vos têtes certaines choses. On nomme les gens en fonction de cela. Dans un pays comme le Nord, on trouve les officiers qui sont riches, qui polluent les biens. Personne n'en parle. Il faut, si tu parles, attention, on va te tuer à la sortie de ta maison. Mais si on vit dans le porte, nous sommes dans un cercueil, autant mieux mourir. Je ne peux pas mourir la bouche cousue alors que je suis dans un cercueil. Donc, quand on me considère comme moi, il faut autant mieux parler. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'installent. Et cette guerre ne va pas prospérer. Je vous dis pourquoi. Les gens disent des choses, ne connaissent pas. Cette guerre ne va pas prospérer parce que la communauté internationale, le cahier de charge de la communauté internationale est respecté par M. Biya. En tant qu'artiste, je ne parle pas en tant qu'officier. Il s'est respecté et les gens ne comprennent pas jusqu'à date pourquoi ça n'a pas encore créé le foyer fossile dont ils attendent. Parce que quand vous avez un bâtonnat, le barreau de Cameroun, qui a des aînés, il y a des gens qui sont parmi nous qui sont des aînés d'Akeremouna. Akeremouna n'a pas le droit de se positionner comme un politique. Ce que vous ne savez pas aussi. Parce que, en fait, s'il veut se positionner comme politique, il faut qu'on démontre qu'il en a le droit. Le bâtonnat, aujourd'hui, c'est ce monsieur qui défend les intérêts des Camerounais, qui se retrouve de l'autre côté en train de dire que le Cameroun se porte mal, qui spolie les biens de l'État. Atlantic Beach a été géré par Akeremouna. Quel est le résultat qui était? Si on le prenait, on le mettait en prison comme Lydien et Youm, c'était mauvais. Tout le monde, tous les barons, apportons les robes noires, on va défendre. On va où? On va où? Je voulais choisir cela pour dire, ne vous trompez pas, chers Camerounais, c'est parce qu'ils nous doivent nos biens. Ils savent que l'argent du contribuable sert à remplir leur poche. Ils savent que si les élections se tiennent, que ce soit Paul Biya ou pas, le Cameroun sera en paix. Parce que après les élections, il y a un problème de continuité. C'est de ça qu'il s'agit. Les unes ne peuvent les partager. Pourquoi les gens refusent d'aller aux urnes? Alors, nous sortons du débat et le patriarche Bilho Aïssia, voilà. Yaoundé a été complètement oublié. Mais rassurez-vous, on va se rattraper dans quelques instants. Maître Jean de Dieu Momo, on a entendu parler de serpents, d'une histoire non, de... Je vais venir à tout cas. Je voudrais d'abord dire que je laisse ma posture de technicien de droit international, quoique je sois avocat principal là où je suis. Je vais endosser ma casquette politique. Je suis président d'un parti politique, de l'opposition. Et
je commence à comprendre beaucoup de choses lorsque le président Gilbert Bamola dit que l'ennemi est dans la maison. Moi, je vois des gens qui clament être du RDPC, mais qui, à des hauts niveaux de la hiérarchie même, sont ceux qui fomentent un coup d'État scientifique contre le président de la République. Parce qu'en réalité, l'événement de Menka est en train d'être exploité comme une affaire politique pour renverser le président de la République avec la complicité ou même peut-être sous l'instigation directe des gens du RDPC, des gens qui appartiennent au RDPC. Et je le vois même, la répression dont j'ai été victime m'enseigne beaucoup de choses. Pourquoi je dis cela? Parce que le président de la République fait des efforts, d'après ce que j'ai vu, pour nommer des gens autour de lui, à l'effet de l'aider, des gens qui l'a pris même parfois dans l'obscurité, dans l'anonymat total, y compris des camarades de classe. J'ai lui dit que ces gens-là sont parmi ceux qui veulent que le loup entre dans la bergerie, c'est-à-dire que les prédateurs internationaux entrent dans la bergerie. Voilà. C'est-à-dire que faute pour eux d'avoir pu neutraliser le président Paul Biya, ils voudraient que ce soit les Nations Unies, l'Amérique, la France qui rentrent. C'est pour ça que j'ai tenu à lire l'article 3 du protocole sur la non-intervention, pour dire que les conditions ne sont pas réunies au plan légal. Ceci étant, ces gens qui fomentent le coup d'État scientifique contre le président de la République sont tellement proches de lui, et même parfois, ils sont aussi proches, il y en a qui sont proches, il y en a qui sont éloignés. J'ai entendu dire que à côté du président, il y a des gens qui font la prédation de ce pays. C'est-à-dire qui utilisent l'argent de l'État dans un pays en guerre, ou dans un pays où les gens souffrent, où les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en train de revendiquer, comme marche au BBC, le bien-être. Voilà. On a des gens qui, à côté du chef de l'État, ont des serpents, des bois, ont des crocodiles qu'ils nourrissent dans leur maison à coups de vaches, à coups de poulets, c'est-à-dire qui achètent des cargaisons de poulets pour nourrir leurs bois, pour nourrir leurs crocodiles, pendant que le peuple souffre à côté. Et des gens auxquels le président de la République a fait confiance. On a des gens comme ça, vous voulez que quoi? Moi, je viens de subir une répression qui m'a un peu estomaqué, parce que j'étais en train simplement d'analyser une affaire pour dire aux Amazoniens qu'il ne faut pas qu'ils espèrent renverser l'État du Cameroun par des raccourcis. Il y a combien de personnes au pouvoir ne se sont pas enrichies? Ils se comptent au bout des doigts. Il y a une autre histoire sur Laurent Esso qui aurait mis son enfant à l'école au Canada et auquel on reproche de n'avoir pas payé disons l'argent de poche. Alors que vous avez des ministres dont les enfants ont 10 milliards dans les comptes. Alors, un président, je parle de Laurent Esso parce que j'ai vu il a une vieille Land Cruiser comme la mienne. Il n'a pas, comme la mienne qui est en panne. Il n'a pas de... ça dit qu'on ne voit pas ses biens. Mais en revanche, on voit d'autres ministres qui ont amassé des milliards à côté du président. La seule maison que le président de la République a construite à l'entrée du palais des Toudis. Tout le monde a crié, oh, le président a construit la maison, le président a construit la maison. Je voulais vous donner la bonne information sur le FECOM qui a construit cette maison. Ouais. Et c'était une dotation du FECOM sur Ndondon. Voilà. Sa seule maison qu'il a, c'est Anguissa. Voilà. Il a un deuxième terrain. Ouais. Voilà. Donc je parle d'un terrain nu. Voilà. Parce que les gens disent n'importe quoi. Ça se retrouve ici à, comment on appelle ça, à Lonkak. Donner à voilà, je parle donc sous le donner contrôle. La liste. Je parle donc sous le contrôle du président Bamola. Quand vous on dit que le président Aïdjo, ses ministres n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches comme les ministres du président Paul Biya. En dehors de Laurent Esso, où on compte combien de personnes qui ne sont pas riches autour de lui. J'ai dit, quand un ministre nourrit des bois, a des bois à la maison, dans sa vaste forêt, a des crocodiles,
dans sa maison, dans sa, son cours d'eau, alors que les gens du sud-ouest et du nord-ouest et de l'ouest voilà. et de Douala c'est pas normal. Revendiquent, je pense que cela... Normal. Mais ce que je voulais dire pour chuter, Jif Ondok, au-delà de tout cela, le Cameroun est notre seule patrie. C'est là où chacun d'entre nous se sent à l'aise. Si les prédateurs, il y a comme site, et j'ai introduit mon propos aujourd'hui en contestant le système occidental de la démocratie participative au suffrage universel. Parce que quand on me cite un seul pays qui utilise ce système en Afrique centrale, en Afrique en général, qui a vraiment réussi à émerger, qu'on me cite. Mais qu'on me cite aussi un pays qui a rencontré l'ONU sur son chemin, qui a rencontré les prédateurs internationaux sur son chemin, hein, et qui est resté. On a des exemples du Tchad, de la Libye, où l'ONU et où les États-Unis, Sarkozy, avec la complicité des Nations Unies, est passé. Et on sait que ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le Cameroun? Est-ce que moi, chef d'un parti d'opposition, parce que je conteste la gouvernance, et je comprends maintenant pourquoi je contestais même sa gouvernance, alors que le pauvre, lui, je devais être plutôt opposant du des gens du RDPC. Ouais, je devrais être opposant du RDPC, de ces gens qui portent la tenue du RDPC, et qui sont les prédateurs, de la République, qui sont les magouilleurs, qui sont les comploteurs, qui sont les gens qui sont en train de demander à l'ONU de venir au Cameroun intervenir sous le prétexte de génocide, sous le prétexte d'un crime de guerre qui n'existe pas. Merci à vous. On va à Yaoundé immédiatement retrouver le patriarche. Ici, alors on va revenir sur Menka parce qu'on a pratiquement terminé. On va répondre aux téléspectateurs qui, pour certains, se sont demandé pourquoi est-ce que les opposants ou alors la société civile ne réagit pas quand il s'agit de soldats camerounais assassinés. La société civile et les leaders d'opposition ou disons de partis politiques, oui, disons les leaders de partis politiques ne réagissent pas parce qu'il n'y a pas une formation. Je l'ai toujours dit, tant qu'on n'a pas formé des citoyens, on ne peut pas avoir de réaction spontanée. Aucun parti politique, le RDPC compris, ne forme des citoyens. Voilà pourquoi il est difficile qu'il y ait une réaction dès qu'il y a un fait qui touche le Cameroun. Je voudrais vous dire une chose que certains ignorent. Je ne peux pas faire une semaine sans parler avec le président Baoula. Et ce que le président Baoula dit est vrai. Le président a informé, sauf qu'il y a un hic. Le président, malheureusement, est resté administratif. Lorsqu'il a une information, ils demandent aux services de recouper. Et les services qui recoupent, c'est des services pourris. J'ai eu le temps de vous le dire. Ben, on a parlé des militaires riches. Il y a un dossier que j'ai gardé quelque part. Des militaires qui ont détourné 6 milliards. Ils sont dehors. Il y avait quelques civils avec eux. Les civils sont à Koningui. Alors, vous voulez que ça marche de cette manière-là? Non. Je voudrais dire, pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, que j'ai entendu des choses qu'il faut réfuter aujourd'hui, parce qu'il s'agit de notre pays. Et il n'y a pas de Camerounais plus patriotes que les autres. Ce n'est pas vrai, il y en a plus patriotes. Ceux qui spolient la richesse de ce pays ne sont pas des patriotes. Ceux qui, parce qu'ils sont dans une loge, vendent leur pays, ne sont pas des patriotes. Or, je l'ai dit, les États-Unis ont été formés, ont été développés par des francs-maçons. C'est le contraire au Cameroun. La Rose-Croix, c'est même pareil. Donc, lorsque nous avons affaire, à un drame comme celui de Menka, il ne faut pas que les gens viennent raconter des histoires. Ces gens veulent la sécession. Mais et ils vont détruire les accords de Green Tree.
comment vont-ils faire pour que Bakati ne soit plus camerounais, ne soit plus reconnu comme territoire camerounais? Ils vont faire comment? Ils vont aller à l'ONU et l'ONU va revenir, ou la justice internationale va revenir sur les accords de Green Tree? Non. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Ambazonie, il y a une dame qui vous a appelé. J'ai les mêmes images d'un Ghanéen qui défile aux États-Unis avec les sécessionnistes et des Blancs. Et nous ici, on parle, si le président dit, vous avez, depuis que le monde est monde, vous avez entendu qu'un un litige comme celui qui sévit au Cameroun en ce moment s'est arrêté parce que le président a dit, c'est fini la récréation. Mais on est où là? Mais c'est des avantages. Ces gens revendiquent des choses, on leur dit, arrêtez. Et puis ils s'arrêtent parce que c'est le président qui a parlé. Simplement parce qu'on veut dire que le président ne fait rien. Et lorsque les gens posent la question principale, pourquoi les gens ne se plaignent pas lorsqu'on tue les militaires, les gendarmes et les policiers? Je voudrais, pour me résumer, dire qu'à Menka, l'armée a fait son boulot. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Aucune armée ne peut accepter qu'on prenne des otages et qu'on aille leur dire « Vous êtes en état d'arrestation. » Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Donc, le problème qui est le nôtre est qu'il faut qu'on aime notre pays. Et notre pays, malheureusement, est gangrené par la prédation. Et lorsqu'on est devenu riche, la seule préoccupation qu'on a, c'est de défendre cette richesse. Et défendre cette richesse, c'est avoir une position de pouvoir. Et c'est ça qui tue le Cameroun. Toutes les rébellions au Cameroun, que ce soit même Boko Haram, sont alimentées par des gens qui sont au Cameroun et d'autres qui sont à l'extérieur, c'est vrai. Mais tous ceux qui ont volé veulent conserver ces avantages indus et ils nous empoisonnent l'existence en alimentant ceux qui ont les fusils. Dans les régions de l'Outremungo. Ils fabriquent les fusils où? Ils sont alimentés. Et on voudrait qu'on laisse cela. Et il faut que le président dise c'est fini et puis c'est fini. Il n'y a pas de parole magique. Voilà. On voudrait que M. Biya ait la parole magique. Non. Nous devons prendre conscience et dire ceux qui se sont levés contre notre pays, arrêtez, on va discuter. S'ils arrêtent des attaques, je le dis toujours, une, deux, trois semaines, ils disent, voilà notre bonne volonté. Ils nous présentent qui doit les représenter au dialogue. L'affaire va finir. Il ne faut pas qu'on nous dise, il suffit que le président dise ceci. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. On n'arrête pas une rébellion par des incantations. Voilà le problème de notre Cameroun. Et nous devons, aujourd'hui, au lieu de venir faire des discours électoralistes à la télé, prendre conscience que notre pays est en danger. Et nous défendrons ce pays. Nous l'avons fait. Moi, mon père l'a fait. Il a été égorgé. Je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Et mes enfants prendront mon relais et jusqu'à ce que le Cameroun soit libre, indépendant et souverain. Ce n'est pas avec des discours de compromission, de flagornerie d'une partie de l'électorat qui peuvent arranger notre pays. Voilà le problème, monsieur Guy Fondo. Nous devons nous lever pour dire, c'est nous, ce n'est pas le président Biya, c'est tous les Camerounais qui doivent dire stop au massacre. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des orphelins et qu'il y ait des veuves parce que des gens veulent avoir une partie du territoire. Merci à vous, Patrias Mulloa. Ici, le standard est ouvert. C'est la deuxième pause pour les téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous nous suivez depuis un peu plus de 3 heures maintenant avec beaucoup de patience et beaucoup d'attention. Nous vous en remercions. C'est le moment où vous nous retrouvez donc sur le plateau pour également exprimer votre point de vue avant que nous ne revenions pour un dernier tour de table avant de boucler pour ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous êtes en direct. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonsoir, Free Media. Bonsoir. Oui, ce qui me dérange vraiment dans cette première, que quand tu les mitais, les gens sont contents. Quand c'est les civils, les gens parlent. Ce qui me dérange. Alors, allez-y directement, ne vous réécoutez pas. Allez-y directement, s'il vous plaît. Oui. Voilà, malheureusement, nous ne sommes plus connectés. On va prendre un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, quand on parle du Cameroun, ça me touche franchement aux os. Parce que le Cameroun, c'est un pays cher à toutes les Camerounaises patriotiques. Mais j'ai les larmes aux yeux quand on voit nos dirigeants. Parce que nos dirigeants ne pensent pas à la population. Prenez même le cas du président de la République. On ne peut pas être dans un véritable pays sérieux. Là où un parti de pays veut se quitter et lui, le président même, ne peut pas prendre son propre pied, partir dans ces deux régions et dialoguer avec ces gens. Beaucoup de gens parlent de dialogue, on va dialoguer avec qui? Mais on connaît où Sissoko Tabe est. Au moins, on peut commencer par lui. On peut commencer le dialogue là avec lui. Beaucoup de Camerounais, quand on parle même à l'heure actuelle, même dans les zones anglophones, en dehors du centre-ville de Bamenda et le centre-ville de Bouya, quand on entre au fond des villages, il n'y en a pas, les enfants ne fréquentent pas. Voilà le GC Ordinary Level, parce que les enfants qui se trouvent dans les villages ne peuvent pas composer. Et ce soit dirigeants sont à Yaoundé, ils vivent bien, ils mangent bien, les enfants pas fréquentés ailleurs, on vient nous raconter quoi là. Voilà, merci à vous pour cet appel, nous prenons un autre. Bonsoir. Bonsoir. Malheureusement, quelques soucis, nous prenons un autre appelant. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs du monde. Je suis vraiment ravi du travail que vous faites pour l'Afrique. Vraiment, à cause de vous, l'Afrique a eu une autre vision. Moi, c'est Joseph. Et depuis le Qatar, j'ai toujours cherché comment contacter Afrique Média, mais par la grâce de Dieu, cette fois-ci, j'ai pu vous joindre. Je voudrais tout simplement savoir, puisque l'affaire de l'Ambazonie, je ne sais pas pourquoi nos frères ont une mauvaise vision par rapport à la République du Cameroun. Parce qu'ils sont tellement divergés dans un autre sens. Les Occidentaux sont en train de vouloir manipuler une partie de notre population, tout simplement parce que ils veulent réintégrer ce qui est passé en Libye. Ce qui était passé en Libye, c'était exactement la même chose. Et pareil en Côte d'Ivoire. Mais nos frères, soi-disant anglophones, c'est tout simplement la langue qui nous diffère. C'est tout simplement la langue qui fait la différence entre Camerounais, Cameroun francophone et Cameroun anglophone. Et par conséquent, celui qui ne parle pas français et anglais au Cameroun, c'est tout simplement parce qu'il a voulu. D'autant plus que le système éducatif camerounais est bilingue. Alors, je voudrais savoir réellement ce qui les motive. Malheureusement, quelques difficultés. Nous poursuivons toujours avec le standard. Bonsoir. 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 Good evening, Afrique Media. Good evening, Mr. Journalist. My name is Chetwe Maurice. I'm calling from Cameroon, Douala. Concerning the subject on discussion, me, I want to say that there's that man that called from South Africa saying that
those people who are bringing war into Cameroon should come up and say that here we are. I want to tell him that if you want dialogue and if you want this problem to be solved, remove Sisiko Ayoktabe from prison and all of his cabinet members. Remove Mancho BBC from prison. Those are our leaders. If we dialogue with them, the problem will finish. But if you don't want to dialogue with them, then it shall continue to anywhere you want us to end. Thank you very much. Merci. Je ne sais pas si on doit vous remercier ou pas, mais c'est important de dialoguer, de communiquer. Merci, merci pour cet appel. On poursuit avec cet autre appelant. Bonsoir. 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 Malheureusement, quelques difficultés. Et le précédent téléspectateur vient de faire un appel plutôt particulier, Emmanuel Cougnier. Est-ce que pour vous, on peut considérer Sisiko Ayou aujourd'hui comme étant l'interlocuteur capable de représenter toutes ces factions qui s'opposent à l'armée camerounaise? Mais quand on a arrêté Sisiko Ayoktabe, le régime a dit qu'on a pris les dirigeants de l'Ambazonie. S'ils sont les dirigeants de l'Ambazonie, ça veut dire qu'ils sont des personnes avec qui on peut discuter, entre autres, puisqu'on nous dit qu'il y a plusieurs factions. Si on les a pris en disant que c'est eux les responsables, c'est eux qui ont créé ce problème, vous voulez qu'on aille chercher d'autres gens où? Maintenant, s'il y a d'autres gens, des excroissances de Sisiko Ayoktabe et compagnie sur le terrain, il faut peut-être commencer par eux, pourquoi pas. Mais ce que je voudrais ajouter en dehors de cela, c'est que j'ai été très surpris du virage que vient de prendre mon frère Maître Momo par rapport, n'est-ce pas, à sa posture d'opposant, parce qu'il a dit qu'il s'oppose au RDPC et pas à Paul Biya. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux en cette situation personnelle. Oui. Ah oui, c'est très dangereux. Oui. Moi, je ne comprends pas en ce moment où nous pensons qu'on est en train de nous distraire pour qu'on n'aille pas aux élections. Parce que notre problème, c'est que la situation s'arrange pour qu'on puisse aller aux élections, parce que j'ai peur que si cette situation ne s'arrange pas, les élections ne seront pas possibles. Si ça ne s'arrange pas, parce que les gens vont voter comment? Nous avons vu les gens au sénatorial, on a transporté avec les hélicoptères pour aller voter. Est-ce qu'on va voter et que certaines régions ne vont pas voter? Il y a 43 000 personnes qui sont, n'est-ce pas, des réfugiés et tout ça. Moi, je crois qu'il faut mettre fin très rapidement à cette guerre, parce que nous pensons que la date des élections doit être respectée et qu'il faudrait que... Parce qu'il n'est pas question que cette guerre nous empêche, n'est-ce pas, d'aller aux élections, parce que les élections, comme on l'a dit tantôt, peuvent être le moyen de calmer davantage les populations, parce qu'on peut avoir d'autres leaderships qui puissent permettre qu'on puisse gérer ce problème autrement, parce que ceux qui ont amorcé la gestion du problème ont pris une voie qui n'aboutit pas et ils ne sont pas prêts à faire des efforts pour que on puisse le faire autrement. Donc je pense que si on va aux élections, on aura le temps de dire aux Camerounais que tous les problèmes vont être résolus d'une autre manière, parce que nous avons pensé parler du dialogue, mais jusqu'à présent le dialogue marque le pas, et puis il y a la radicalisation de tous les côtés et ça bloque notre pays. Nous pensons qu'il faut un autre leadership pour permettre au Cameroun, n'est-ce pas, d'entrer dans la modernité et de réunir tous ses enfants autour de ce leadership là afin que nous puissions, n'est-ce pas, amorcer notre développement. Et je voudrais dire que les gens sont en train de demander ce qu'on va faire. Moi, je crois que s'il y a des gens qui s'enrichissent, s'il y a des gens qui sont autour de l'État, qui ont de l'argent par-ci, par-là, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas un code d'éthique dans l'administration. Il n'est pas normal que des fonctionnaires soient des politiciens dans un régime comme celui-ci. Il faudrait, à un moment donné, ne serait-ce qu'un temps mort, qu'on dise clairement que si vous êtes fonctionnaire, vous ne devez pas être en même temps politicien, parce que tous les fonctionnaires ramassent de l'argent pour aller chercher l'ascension politique. Si vous voulez faire la politique,
vous démissionnez de la fonction publique, vous engagez comme position, vous venez prendre votre retraite et vous faites de la politique et on va cesser de nous présenter des personnes ressources qui sont dans les ministères pour nous fatiguer sur le terrain et l'administration doit cesser, n'est-ce pas, d'être le creuset de recrutement, n'est-ce pas, des militants du RDPC. Voilà, mais vous voyez qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, parce que nous avons également un second sujet dans l'actualité ce soir. Oui. En une minute, ce n'est pas une interview et vous le savez très bien. En une minute, je vous donne une minute chacun. Oui, je commence par vous, Gilbert Bamba. Une minute, c'est plus poli comme ça. Voilà. Je suis pas exténué. C'est mon ami d'ailleurs. Je l'aime beaucoup. Je voulais dire quelque chose. Je suis désolé. Est-ce que la plaidation a commencé seulement sur le règne de Paul Biya? La plaidation a commencé. Monsieur Mokete a 55 ans de spoliation de biens publics. Quand vous faites un tour avec l'actuel Premier ministre qui a la société Bons, il est, je ne sais pas s'il est le manager de Speaking English French, parce que moi, je crois que c'est un délateur, parce que nous, en notre temps, on va l'interpeller. Monsieur Peter Mapani. Il faut dire que ce sont vos propos et que cela n'engage. Ça n'engage que moi depuis des années. Je le dis, c'est des prédateurs. Bon, maintenant, lui et son Éric, qui a fêté son 7e milliard, dans un Cameroun où l'Anivakine a des difficultés d'atteindre un balmaillot, peut-être, je voulais dire, Fongo Tongo. C'est ça, on commence à nous faire croire que M. Peter Mafani a le droit. Et j'ai fait une enquête où monsieur achète des camions, il est maquis, à partir du port autonome. Il prend des collants, des autocollants qu'il met et il crée une société parallèle de transport qui n'a rien à voir avec Bons qui fait dans les routes, qui fait dans les infrastructures. Et monsieur, dès que il enlève cela, il enlève l'autocollant, ça veut dire que ça appartient à une autre personne. Voilà des gens qui veulent animer. Je voulais le dire pourquoi, parce que c'est important que les gens sachent que dans ce pays, les gens ne combattent pas pour les intérêts collectifs, c'est un problème de prédation. C'est honteux qu'on puisse avoir aujourd'hui comme première personne qui peut parler de l'argent dans une banque qui fait dans la prédation, de Kémonier, un ancien vendeur de billets d'avion, à Julie Voyage, qui a une société, la CCI, qui fait dans la spoliation des biens publics. Il a minimum, allez poser la question à M. Nafak, qui est son DG, je donne les noms. S'il a 90% de titres fonciers, il y a 88% qui sont les titres fonciers de l'État. Il se retrouve dans toutes les juridictions que j'appelle les juridictions de Parlement, et avec certains magistrats qui sont même propriétaires des immeubles, des biens publics. Personne n'a le droit de parler. Vous avez un monsieur comme M. Mbiam qui a des biens publics. Il est avocat, c'est un célèbre avocat, député, il est tout. Le bâtonnat ne le dénonce pas. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête et en ce moment-là, le discours va changer. Les enfants qu'on envoie dans la rue, ils ne peuvent pas envoyer les leurs. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, Mokete a démissionné de 15 millions de salaires à Camtel. J'avais dit ça. Il est allé se cacher pour 2 millions. Aussi là. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il sait qu'il sera interpellé. Et à l'intermédiaire, il se dit, Paul Biya, ils ont le temps de le mettre à la porte. Quand il sera là, il va revenir encore dans son histoire de Camtel. Est-ce que tu peux refuser 15 millions pour aller gagner 2? Ce n'est pas possible. Et les gens voient ça, personne n'en parle. Ce n'est pas bon. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Et on va aller jusqu'au bout pour leur démontrer qu'ils ne peuvent pas berner la République, mettre la République à mal, parce qu'ils sont plus malins. Les gens qui, aujourd'hui, arment ces gars, ce sont... Et on les arme avec les fusils de chasse parce qu'on veut, on les prend pour des cobayes. Puisque les mêmes gens peuvent acheter des armes, ils ont acheté des armes qu'ils ont fait hanter par l'Est. Ils ont fait acheter des armes qu'ils ont fait hanter par le Grand Nord. Ils ont acheté des armes qu'ils ont fait hanter par Douala. Vous sortez ici, vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas très sûr d'y arriver. Parce que les gens ont ouvert les portes. Et il ne faut pas en parler.
Si vous parlez, non, 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 demain matin, vous allez mourir parce qu'il y a un monsieur qui va venir vous dire vous n'avez pas droit de citer. On ne peut pas, je chute simplement pour dire que nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est impossible. Le débat se trouve autour de la gestion de l'État. Comment on gère le Cameroun? Les Camerounais veulent connaître s'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, s'ils peuvent avoir des salaires, s'ils peuvent décemment être pris en charge quand ils sont malades. On ne peut pas dans un pays comme ça. Pourquoi est-ce que M. Mokete ne construit pas les hôpitaux chez lui? Lui qui dit qu'il a beaucoup d'argent. Il n'en a pas. J'ai démontré cela et je le fais tous les jours. J'ai démontré aux gens. Les gens qui parlaient beaucoup, monsieur, je suis en train de chuter, cher modérateur, pour dire, c'est moi qui suis en studio ici, qui a dénoncé toute la bergerie de ces cocus, j'appelle ça de machin. Je marche tous les jours, ils ne peuvent rien faire. Parce que j'ai la volonté de ce que je fais. Quand j'ai commencé, les gens m'ont donné 3 jours. D'autres me disaient, tu vas disparaître. J'ai dit, ok, je vous attends. Maintenant, le temps m'a donné raison. Allez faire un tour à SGS. Biopharma ne commande même pas un comprimé. Il vendait de la cocaïne à la place de ma chère. Je lui dis ça en face. Il habite dans les maisons de l'ONCPB. Bocom habite dans les maisons de l'ONCPB. Alors, personne n'a rien à dire. Les avocats ont disparu. Je voulais dire un bonjour particulier au premier avocat qui avait soulevé l'histoire de l'opposition. Mais au sortir d'ici, je vais aller à quoi? À côté de l'hôtel, je voulais dire Prince de Galles. Je sais qu'à partir de là, ça appartient à l'État. Mais quand je me pose les questions, je suis allé voir, j'ai guetté cette maison. Bizarrement, ça se trouve sur le site public, dans un site public, et il est le premier avocat, Maître Yondo. Voilà le Cameroun que vous voulez nous bâtir. Alors, parce que simplement, on ne veut pas qu'on en parle. Moi, je vais m'en défier. Que Maître Yondo m'apporte un titre foncier, même indigène. Qui appartient à sa troisième génération. La réalisation me fait. Il n'y a jamais eu ça. La réalisation. Voilà, fait bon, j'ai arrêté simplement pour dire oui. Ne faussez pas les données. Les données, c'est quoi? On veut. Le débat ne se trouve pas à ce niveau. Alors, on va simplement mettre Jean de Dieu Momo. Malheureusement, il n'y a plus de temps. On va prendre une transition. Oui, ce sera après la transition. La réalisation m'arrête. Oui, oui. On va prendre une transition et on revient pour parler du second sujet. Oui. Les propos de M. Baronla n'engagent que lui. Allez, on revient sur le plateau à présent pour aborder le second sujet qui avait été retenu dans l'actualité ce soir. Il s'agit bien sûr de Vincent Bolloré qui a perdu son procès, contre France 2, Et d'ailleurs, Maître Jean de Dieu Momo, il s'agit d'une enquête que la télévision française avait d'ailleurs menée au Cameroun concernant les conditions de travail dans certains groupes contrôlés plus ou moins par Vincent Bolloré. Et à côté de cette information, on nous annonce que de nombreuses personnalités camerounaises vont faire l'objet d'enquêtes de la part de la justice française qui voudraient en savoir davantage autour de ce cas avait révélé, entre autres... Sont même déjà... Oui. L'enquête est déjà en cours. L'enquête est déjà en cours et vise les gens. Mais je ne peux pas laisser passer une interpellation personnelle parce qu'on aura l'impression qu'on donne la parole à des... Alors, nous ne revenons pas sur le sujet mais précédent. Mais on a accusé Maître Momo, n'est-ce pas? Je pense quand même que je suis sur le plateau. À moins que vous voulez qu'on m'accuse d'avoir parlé comme un parti d'opposition, je suis contre le RDPC et non contre Paul Biya et que je ne peux pas répondre. Si vous estimez que je ne peux pas répondre, alors que ça va même dans la droite ligne de ceci. J'ai dit que je dirige un parti d'opposition. Maintenant, au fur et à mesure que mon opposition avance, je m'aperçois que ma cible principale, qui est, et était, et est Paul Biya, est plutôt masquée par une autre cible qui est faite des prédations de ce pays. Et l'un des grands prédateurs de ce pays se trouve être M. Bolloré, précisément. L'autre prédateur de ce pays se trouve être l'entourage proche du chef de l'État. Et dans son entourage, j'ai dénoncé le fait que des gens font un élevage de crocodiles, un élevage de bois, alors que le peuple a besoin d'avoir des élevages de poulets et de moutons et de bœufs. Quand quelqu'un fait un élevage de bois,
un élevage de crocodiles et les nourrit avec le poulet dont nous avons besoin pour nourrir nos enfants, je pense que vraiment c'est un crime économique. Et c'est même un crime qui fait en sorte que je ne vois plus la cible qui était Paul Biya. Il ne faut pas dénaturer mes propos. Et mes propos, monsieur Courrier, ont été cela. Et je ne suis pas du RDF. Bon, nous n'avons pas un parti commun. Nous ne sommes pas encore entrés en fusion. Donc, les objectifs de mon parti ne sont pas les partis du RDF. Donc, ceci étant, vous avez Bolloré également, qui est l'un des prédateurs et qui a noyauté tout l'entourage du chef de l'État, y compris le ministre dont je parle, qui a son élevage de crocodiles et de boas. Je ne sais pas. Bon, voilà, moi, je ne peux pas donner les noms. Je ne suis pas comme vous qui donnez les noms. Maître Jean de Dieu, il a noyauté tout le truc. Non seulement il prend l'argent des dockers à raison de 169 milliards chaque année pour arroser toute sa cour autour de M. Paul Biya, mais M. Bolloré a également installé des réseaux de prédation de ce pays, des réseaux, n'est-ce pas, de la France-Afrique tout autour de M. Paul Biya. Et donc, quand on fait une opposition raisonnable, une opposition scientifique, une opposition éclairée, on ne va pas à l'aveuglette contre un individu, comme j'entends que Paul Biya, il est vieux, etc. On regarde effectivement ceux-là qui font la prédation de notre pays. C'est à eux, c'est contre eux qu'on va en guerre. C'est contre eux que nous dirigeons notre opposition. C'est contre ces gens-là. Et savez-vous que dans cette affaire de Boko Haram, quand on dit Boko Haram, le président de la République, des gens dans l'entourage du président de la République ont fait des faux enlèvements. On dit qu'on a enlevé des gens, des Français, de ceci. Monsieur le président donnait l'argent pour qu'on ait libéré les otages. Le président prend l'argent, fait noter les numéros qui se suivent, donne l'argent que bon, allez libérer les otages. Et le soir, on retrouve l'argent au palais. On retrouve l'argent à Yaoundé en train de circuler au palais. Les mêmes numéros, et ce n'est pas des gens, je dis à Yaoundé. À Yaoundé, moi je ne suis pas comme vous. Je dis à Yaoundé, Yaoundé est bien grand. Donc on retrouve les billets à Yaoundé en train de circuler. Les billets que le président de la République a donné qu'à aller libérer les otages. Donc on a donc des faux ministres, des gens qui sont des prédateurs, des gens qui sont plus dangereux pour ce Cameroun que le président Paul Biya. Parce que c'est vrai que c'est lui qui les a nommés, mais il en a tellement arrêté pour mettre en prison. Plus il arrête pour mettre en prison, plus il y a encore de nouveaux prédateurs qui restent là-bas. Et ils ont réussi à contourner ce pays, à faire en sorte que toute tentative de joindre le président Paul Biya pour lui donner une information est immédiatement capturée. Capturé, attendez, quand vous parlez là, je vous demande. Non, ne prenez pas mon temps de parole. Toute tentative d'atteindre le président de la République est immédiatement stoppée. Envoyez une lettre au président de la République. Ça passe le courrier, ça ne passera pas le secrétariat général. Donc, on est aujourd'hui encerclé par la France-Afrique au sommet. Qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train de préparer la relève du chef de l'État, la succession? Il y en a qui sont là et qui attendent de prendre la place pendant que le monsieur Kounye, oh mon pauvre ami, ils sont en train d'attendre les élections. Mais vraiment, vous pensez que vos élections là vont amener un changement dans le pays? Vous attendez le changement par les élections, monsieur Kounye, alors que des gens ont pris des mallettes d'argent, des milliards, pour préparer cette même succession sans passer par les élections. Et ils veulent passer par Bamenda, ils veulent passer par Menka, ils veulent passer par des gens qui sont souvent des gens bien, mais qui, en réalité, quand tu les vois, tu dis que non, ça, c'est un notable du RDPC, alors que c'est un prédateur de la République. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez des gens auxquels on déroule le tapis rouge, sirène, toute sirène dehors, et qui sont les employés de Bolloré, qui reçoivent... Et je dis que c'est même bête. Voilà de l'argent qui vient de l'étranger, par la voie des armateurs, pour rentrer au Cameroun. Pour rentrer au port autonome de Cameroun. Le port ne reçoit pas cet argent, c'est Bolloré qui intercepte l'argent. Et rentre le GEPAC, à travers le GEPAC, et rentre le soir avec
par le GEPAC et rentre dans le groupement professionnel des armes. Pas le nom de votre ami. Non, non, attendez, attendez, je finis. Je veux donner le nom. Finis, alors, chacun son tour de parole. Je non, non, je surtout pas, que c'est le dernier tour, on ne va pas. Voilà. Je ne mets pas moi les noms. Oui, donc, je vous dis, seulement les faits. Voilà les faits. De l'argent est venu pour payer les Camerounais. Cet argent rentre par milliards au Cameroun, plus de 169 milliards, et ressort le soir par la poche pour aller en France. Et je dis qu'on prend un peu, une infime, on prend un peu, quelques petits milliards, et on arrose le Cameroun. Quand je dis « on », je parle de Bolloré, du groupe Bolloré. Il le arrose tout le monde, dans le littoral, dans le centre, à la présidence, dans les ministères, tous les ministres, enfin, pas tous les ministres, les ministres concernés. Et là, de ce point de vue, ça peut être comment vous voulez que le seul problème de la République soit le remplacement de Paul Biya? Merci à vous. Alors Maître Biliga, vous avez la parole. D'abord, les prédateurs. Vous avez je la crois parole, que c'est Maître ça. Biliga. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Oui, moi, je pense de ne pas être informé. Hein. J'apprends beaucoup de choses sur ce plateau que j'ignore. La seule chose que je sais, c'est que France 2 a gagné pour ce compte Bolloré. Ça veut dire qu'en fait, cette chaîne a fait bien son travail. Et notre souhait, c'est que nos chaînes de télévision puissent faire du travail convenablement, qu'on fasse des enquêtes qui soient fondées pour que nous puissions être informés des vraies choses. La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que nous avions beaucoup parlé de Bolloré ici sur ce plateau, notamment le jour où nous parlions de la Socalpan. Je pense que dans le procès, il y a une partie où on disait, je crois qu'il n'a pas totalement gagné totalement. Il y a, je ne me rappelle pas très bien la décision, mais je crois que peut-être Momo va m'aider. Il y a une partie où on dit, et on ne lui a pas totalement donné raison. On n'a pas totalement donné raison à France de, par rapport au procès de par rapport contre Bolloré. Contre France 2. Contre France 2, moi je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que nous rêvons d'une justice, ce genre de justice. Parce que Bolloré, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens. Et j'imagine ici chez nous. J'imagine si chez nous, quelqu'un qui serait, je ne sais pas, le plus riche de Camerounais et qui a un procès, s'il gagne, on dira qu'il a corrompu. Et donc, est-ce que si ce monsieur a un procès, la justice aura les mains libres pour pouvoir rendre une décision sereine, etc. Mais vraiment, pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas si Bolloré donne des choses aux gens ou arrose des gens. Ça, vraiment, je ne sais pas. Je sais tout simplement que et France 2, qui est une chaîne de télévision que parfois j'ai l'occasion parfois de suivre, a gagné son procès. Ça veut dire qu'il y a une liberté de la presse, ça veut dire qu'il y a une liberté au niveau de la justice là-bas. Et notre souhait, c'est que chez nous également, qu'on puisse trouver ce genre de décision qui renforce la place de la justice et qui renforce la place des médias. Voilà. Alors, Gilbert Baron-là, on a des informations selon lesquelles certains ministres camerounais seraient bientôt interpellés en France dans le cadre de ces. Ils sont déjà inculpés ou bien interpellés, parce que je veux savoir. Interpellés très prochainement, selon nos sources d'informations. Ouais, disons qu'ils sont impliqués quand même. Il y en a 6 qui sont impliqués complètement dans cette affaire de Bolloré. Et les investigations se poursuivent. Mmh. Mais il y en a beaucoup, même qui sont dans la direction au port, dans la direction générale à Yaoundé, qui sont. Vous avez oublié le ministre du Transport? Bon, pardon, je n'aime pas. Oh, ça, le Bengo est là-dedans. Non, je n'aime pas prononcer. Pourquoi les noms, vous le cachez? Le ministre du Transport, c'est quand même c'est mon ami. Moi, c'est un amis. Grand frère. Je ne peux pas prononcer les noms des grands frères. D'accord, ok. Vous posez la question, je vous suis. Alors, certains ministres, parce qu'on voit, que ce soit avec les activités de Bolloré au port autonome de Douala ou encore sur les chemins de fer, on voit quand même qu'il y a énormément d'intermédiaires parmi eux. Il y a des ministres et nos sources nous révèlent que ces personnes seront très bientôt interpellées par la justice française dans le cadre des investigations en cours. D'accord. L'enquête de Bolloré, j'ai plus du temps de faire 3 pays. Le Congo, Pointe-Noire, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Bolloré brasse en moyenne tous les trimestres près de 250 milliards en termes de paramaritime. Et ça, c'est le port, par exemple, de la Côte d'Ivoire. À Pointe-Noire, il a 2 fois. Ça veut dire que dans les 500 milliards. Il a 2 fois. Au Cameroun, c'est le record. Ça veut dire que c'est 3 fois.
Parce que les terminales au conteneur, il y a des sociétés qui se sont substituées à Bolloré pour qu'elles puissent exister. Avec des affaires à la con, comme, excusez-moi de mon langage, entre guillemets, comme le Sokoma, ma ex, c'est des histoires. Parce que si le Surestari est aujourd'hui plus cher que la douane, ça veut dire que Bolloré manipule à travers le DIT, la DIT plutôt, le port autonome. Ouais. Et sous l'instigation du président de l'Assemblée nationale, Kabaïgué. Ça, c'est des informations clés. Ces dossiers sont sur la table du chef d'État, ça ne souffre d'aucune concession. J'ai les copies. Ça veut dire que je prends serment devant les Camerounais. Je prête serment. Cette histoire commence sous Marafa. C'est Marafa qui intéresse Bolloré et celui qui monte le dossier s'appelle Boukar. Boukar est à l'époque directeur des ressources humaines à Camtel. Il travaille sur Ndiamba. Et à un moment, il faut créer le postulat, une chaîne que j'appelle de spoliation. Boukar va entrer dans le jeu parce que lui, il est douanier de formation. Et il va intéresser son mentor, qui est son frère au même moment, et qui est aux affaires comme secrétaire général, M. Marafa. Beaucoup de gens se disent, c'est l'histoire du GEPAC, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est là-bas, c'est un prêt. Le GEPAC, c'est comme le BFT, le BGFT. En passant, j'ai dénoncé BGFT il y a quelques jours ici, le consupé est déjà là-bas. Parce que quand on dit aux gens, ne posez pas des actes, ils disent qu'ils sont les amis de Paul Biya. Maintenant, le consupé est déjà devant la porte. Pour dire que, si je dénonce cela en réalité, c'est pour que les gens comprennent jusqu'où, quelles sont les manipulations. Kaminsur est une société qui appartient à M. Kavaï. Kavaï va assurer les trains, il peut assurer les trains. Est-ce qu'il peut assurer les trains? S'il n'arrive pas à assurer, à faire ce qu'on appelle la couverture des sinistres réels, au simple, automobile, ce sont les trains. Parce que c'est des magouilles. C'est des magouilles. Et autour de cela, il s'entoure d'une certaine expertise qu'on lui fait voir. Non, il n'y a pas de problème. Quand j'ai dénoncé cela, il a vendu ses actions aux Marocains. Kaminsur, un président de l'Assemblée nationale qui a une société d'assurance, tu vends les tickets d'assurance. C'est quel quartier de pays, ça? Quand on dit aux gens, non, vous savez, c'est le chef, le président de la République, c'est son ami. Mais je ne comprends pas cette histoire. Et c'est pour cela que l'histoire de Bolloré va finir très mal. Le terminal à quai de Kribi, il a gagné par extraordinaire tous les terminaux. Il n'a même pas investi 100 francs. Même pas 100 francs. Devant tout le monde, devant Mondial Vision, je vais investir 50 milliards pour Logic, qui a fait dans l'histoire de la prédation des universitaires. Il a laissé le ministre Famine de Guaroute avec le projet sur le papier. Il a mis une petite voiture, tout le monde a vu. Il a fait l'amphithéâtre avec le plastique, il a mis les badges et ça a disparu. Parce que dans sa tête, il fallait gagner tous les marchés universitaires et les centres universitaires, ce qui n'a pas prospéré. Vous comprenez? Je ne peux pas ne pas dénoncer. Je suis, comme on dit au quartier, balle au pied avec ces gens. Je veux voir si c'est eux qui sont en ce pays ou pas. Parce que je sais que monsieur, mon père, n'est pas d'accord. C'est pour ça que je les expose. Les gens pensent que quand ils viennent dire des choses, je ne suis pas là pour animer la galerie, je n'en veux à personne. D'accord? Mais Paul Biya n'est pas le garant et le comptable des prédateurs. C'est terminé. Que les gens sachent cela et qu'ils pensent que c'est la conséquence immédiate, c'est quoi? Le RDP, ce n'est pas un entrepôt de protection. La loi, c'est la loi. Et Paul Biya n'est pas au-dessus de la loi. Ah, il faut faire attention. Nous savons ce que les gens guettent. Le même Bolloré va vouloir créer une société d'unité. Comme d'autres gens créent les sociétés, comme vous voyez, ils appellent ça les sociétés comme Orange. Il va se retrouver très mal en point. Il y a un célèbre Camerounais que j'aime beaucoup, il aime bien sur Dampoule, va gagner ce marché. Vous savez combien il va gagner ce marché? Le ministre du Commerce a le OK du chef de l'État sur une haute instruction pour dire non, il faut laisser les locaux aussi. Les gars cachent, ils cassent l'information, on veut faire passer la société de Bolloré. Scandale, nous on dit zéro.
ça passe pas. Mais l'excès est là, non? Quand vous voyez les gens, ils vont même travailler dans certaines entités, ils disent des choses, ils ne connaissent même pas les vérités. Vous comprenez? Donc, il faut mettre ça à la place publique, que les Camerounais suivent, qu'ils apprécient. Le temps du déballage est arrivé, c'est fini. Le même Bolloré va tenir tous les commerçants à travers la paramaritime, parmi lesquels les forceaux, les gens comme les jeunes, comme les Bocom, qui entrent dans les affaires, toute la phalange, il y a des Afriques, comment vous appelez, Afrique Construction, qui font dans la paramaritime. Il va les tenir par là. C'est ça qu'ils appellent JEPAC. Une histoire de gangster. Oui, oui. De gangster avec, je mets gangster avec gros G. Je confirme. Parce que c'est dans l'Afrique Construction et ouais. Tous les gens qui nous créent les quincailleries à la plume, ouais. Ils nous racontent n'importe quoi, ils vendent n'importe quoi aux gens, hein, des tôles pourries et tout ça, et le faux matériel, hein, qui n'est même pas homologué. Ouais. Parce que nous n'avons même pas un directeur général de la Nord qui peut faire les choses. Parce que lui, il a une double identité, vous savez qu'il n'est pas le fils de l'autre. Mmh. Bon, comme le nom faisait la même consonance, on l'a mis là. Dès que... Parce que les vrais enfants de l'autre sont à Nobel. D'autres vendent même la friperie ici à la sortie. Je parle avec des témoignages vécus, avec des images que je suis prêt à rappeler ici à Afrique Média, les preuves. Voilà. Comprenez? On est fatigué dans ce système. Un système qui vit dans le pourrissement. Les gens racontent n'importe quoi. On fait peur à tout le monde et tout le monde dit il faut avoir peur. Bolloré, pour moi, est un prisonnier dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Bolloré a des programmes à partir avec la Côte d'Ivoire, Pointe Noire. Comment elle va faire pour rembourser le passif? Il ne pourra pas. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui gère les biens de la famille Sopo? Les 66 milliards qualifiés. Pour que vous ayez un local, c'est la direction des affaires logistiques de Bolloré qui vous domicile un local à Bonabizou. J'ai des documents. Je ne parle pas de la bouche. Comprenez? Voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir sur le patrimoine public. Sont pas prisonniers, pas riches, c'est des histoires. C'est des histoires. J'ai démonté ça. J'ai demandé au juge, donnez-moi une seule session. Même qui est coloniale. Là, on avait donné. Vous avez 66 milliards et c'est un Bolloré qui vient gérer ça. Si vous voulez un local maintenant pour votre cabinet, allez là-bas, on va vous dire, attendez, on va vous envoyer à la direction des affaires logistiques. Je ne vous raconte pas l'histoire. Allez vérifier. Parce que moi, je parle avec des preuves. Voilà un peu les grandes lignes qu'il faut voir. Est-ce que le débat est axé sur nos frères qui tombent? Non. Les gens ont leurs intérêts. Les gens sont en train d'entrevoir comment ils vont manger après Paul Biya. Ils ne veulent pas être gênés. Ils ne savaient pas qu'il y a des gens comme Baola qui vont naître, qui vont dire « Zéro, nous ne sommes pas d'accord. » Et je ne suis pas seul. Hein. Je suis avec des gens. Et ces gens sont là et ils collaborent. Et sachez qu'on est prêt à vous traquer jusqu'à la dernière énergie. Parce que c'est quand même embêtant de savoir que des gens posent des actes et se substituent à travers certaines sociétés. Bolloré a fait entrer les armes au Cameroun avec Talbot. Talbot est mort en France. D'accord? Et les gens aujourd'hui estiment que Bolloré, faut le... moi, Bolloré pour moi, c'est un homme comme tout le reste. Il peut aller, disons qu'avoir... ses acquaintances, j'ai dit ce monsieur ne peut ressembler qu'au prédateur. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait à Marafa de savoir qu'il a créé un loup qui avale tout le monde aujourd'hui? Ils sont allés jusqu'à sauter. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fabriqué par sa plume. C'est lui qui a solidifié. C'est pour ça que Salé, qui est PCA à Cameraï, demeure l'homme de main de Bolloré. Toute une émission sale de monsieur le président de l'Assemblée, que ce soit monsieur Bolloré, c'est la même chose, ils sont ensemble. Ils ont décidé de débarquer, pas Paul Biya, de débarquer le Cameroun. Parce que quand les Camerounais sont là, vous êtes là. Non, c'est Paul Biya qu'on va envoyer dehors. Vous vous trompez. Ils veulent déstabiliser le Cameroun. Absolument. Et nous tous, nous sommes dans un bateau. Si ça se noie, nous tous, on va aller au fond. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un comme celui-là a bêtisé le ministère du Commerce, a bêtisé tout le monde, et personne n'a rien à dire? Le dernier ministre en date qu'il a maîtrisé, c'est Bolloré, a maîtrisé Mbengo. Tous ces directeurs vont en France manger un peu. Je parle, ils savent que ce que je dis est vrai. Quand une paramaritime, une société paramaritime peut payer un billet d'avion à un directeur du ministère de Transport, est-ce que c'est normal?
Vous allez manger dans un hôtel, c'est lui qui paye les frais. Vous comprenez? Parce que Veritas, aujourd'hui, qui est une autre entité, c'est elle qui fait tous les contrôles de tous les travaux techniques de toute la grande arsenal architectural. Veritas appartient à qui? À Bolloré. Non, même pas la simple autorisation. Je vais vous donner même le nom de la personne. Il y a un bonbon. Sa fille est huissier, je crois, notaire. Elle a un cabinet, elle est allée en retraite, je ne sais pas pourquoi, du côté de Bali. Ce bonbon-là a eu la recommandation du chef de l'État pour qu'il puisse prospérer dans le domaine. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a bloqué. Il a voulu même collaborer avec Bolloré. Bolloré l'a rejeté. J'ai la lettre du chef d'État. Mais on va où? Quand je vois, je dis à mon modérateur, nous, le temps là est fini. Ce n'est plus les rêves. Maintenant, c'est fini. Tout le monde va se mettre face à cette santé. On va voir ce que ça va donner. Donc, je ne suis pas d'accord que les gens tombent, ils meurent. Le SDA doit citer, nous tous on doit citer, mais l'ennemi est dans la maison. Et on les connaît. Il faut qu'ils puissent s'identifier parce que nous ne pouvons plus fonctionner. Je m'arrête jusque-là. Voilà, merci à vous. On va poursuivre. On va poursuivre cette fois-ci en donnant la possibilité aux téléspectateurs pour cette dernière partie de pouvoir nous retrouver en direct. Emmanuel Cougné, allez-y s'il vous plaît. Oui, moi j'ai tout écouté et puis je suis très satisfait de ce constat qui démontre que Bolloré lui-même est entré dans un référentiel, qu'il s'est arrimé aux règles du référentiel et qu'il a réussi à être comme tout le monde puisque tous ceux qui ont spolié notre patrimoine l'ont fait avec lui d'une certaine manière. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le constat ici est très clair. C'est que le système est grippé. Le système ne peut plus fonctionner. On ne va pas passer le temps de jouer au Njambo avec notre argent. Nous pensons aujourd'hui que la solution, ce n'est pas de chercher à reformer quelque chose qui n'est plus réformable. C'est pour ça que nous pensons sincèrement que les fonctionnaires, puisque même les ministres de M. Paul Biya, il nous l'a dit, ce sont des fonctionnaires pour la plupart qu'il a anobli. Donc ce sont des gens qui n'ont ni n'étaient pas, ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui peuvent gérer majeurs, c'est des fonctionnaires qui fonctionnent. Donc dans ce fonctionnement, ils ont pu s'anoblir, on les a anoblis et ils sont enrichis. On ne peut pas se développer, ne peut pas avancer avec une telle confusion. Et nous allons vers les élections. Nous vous avons présenté un candidat qui est un entrepreneur. Et nous pensons que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'un entrepreneur parce que les vertus de l'entrepreneur n'ont rien à faire avec tout ce que vous venez d'entendre. L'entrepreneur a quelque chose de particulier, c'est sa capacité d'anticiper. Monsieur Biya ne peut pas être très sain et comme dit souvent mon ami Awana, à la tête d'un bordel. Parce que tel que ça se présente, je crois que l'appareil se présente n'est plus gérable. Il faut mettre cet appareil à côté. Et des gens comme M. Baoula sont des personnes très importantes parce que le nouveau système, le nouveau régime, là, ça dit que le Cameroun nouveau ne peut pas fonctionner sans des gens comme ceux-là. Et je crois que ce que je viens d'entendre me donne beaucoup de baume au cœur parce que le moment venu, on saura comment faire, on saura sur qui s'appuyer pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Enfin, à vous écouter, vous avez énormément de chance parce que M. Baoula est membre de l'opposition camerounaise. Oui. C'est fabuleux. Voilà. Alors, on va ouvrir. C'est pour dire, parce que tout à l'heure, vous vous êtes senti un peu seul face à Jean de Dieu Momo, mais vous n'êtes pas si seul que ça. Voilà. Non, il y a deux partis ici. C'est M. Baoula. Voilà. Et il y a les militants des autres partis. Non, c'est des. Il y a les militants du RDF. Et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On va au standard. On va au standard à présent. Il y a parti et parti. Oui. Bonsoir. Tout à fait, oui. Il y a parti et parti. Oui, oui. C'est pour ça que nous sommes le parti du changement. Voilà. Et ils sont le parti de la prédation. Il y a des partis qui se réunissent dans une cabine téléphonique. Et il y a les partis qui sont avec les prédateurs. Voilà. Qui appellent l'ONU de casseroles casser notre pays. Il y a les partis. Allez, on va prendre, avec votre permission, s'il vous plaît, on va prendre quelques appels et sortir de cette édition. Voilà, vous nous retrouvez en direct. Les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver via WhatsApp pour ceux qui, on sait que vous êtes nombreux désormais à être très accrochés à WhatsApp. Vous pouvez nous retrouver également via WhatsApp et participer donc tard
à la discussion sur le plateau. Voilà, vous nous retrouvez. Mais en attendant, peut-être, Maître Biliga, oui, un mot. Bon, moi, je voudrais terminer avec mon poème. Hein. Si vous me oui, mais vous pouvez, allez-y, s'il vous plaît. Nous sortons de l'émission. Parce que chacun a son combat qu'il mène pour que notre pays se retrouve la paix. Et moi, depuis un bon bout de temps, je m'arrange à écrire des poèmes que je publie. Et curieusement, ça ne veut pas souffrir, c'est déjà ouvert, je vais vous le lire. Est cool. Alors, il faut rappeler que votre poème a été, que vous avez rédigé ce poème pour vous exprimer autour de la situation actuelle dans les régions c'est du ça, Nord-Ouest. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est le deuxième. J'avais écrit un premier déjà quelques jours avant. Est cool des cimes du Fracon Mountain. Est cool des hauteurs de Cap Siki. Puis, devant les flancs du mont Corum, traçant de leur couleur rougeâtre des sillons de désolation. Est cool, comme des torrents de haine. Est cool, puis s'enfonce dans les tréfonds de notre terre nourricière. Est cool, ces larmes de douleur, terreau fertilisant de nos malheurs. Quand sonnera-t-on le glas de cette danse macabre autour des corps en putréfaction, miroir de notre turpitude? Je sculpte le firmament. Une éclaircie pointe-t-elle à l'horizon? Je crois apercevoir une colombe. Est-ce un mirage? Tam tam. Battez le rassemblement autour du baobab. Muezzin. Annoncez du haut des Miranais. Un peuple est à la quête de la paix. Je l'ai fait le 6 juin 2018. Voilà. Merci pour cette ode à la paix, Maître Biliga. Oui, mais oui. C'est un hymne à la paix, c'est très intéressant, mais je crois qu'il faut apprécier le mouvement par la marche, c'est-à-dire que la paix passe aussi par le refus catégorique d'ouvrir les portes de notre pays à la prestation extérieure, à des gens qui vont arriver, soi-disant pour des forces d'interposition, dans une guerre qui opposerait le Cameroun avec d'autres. Moi, je dis que ce qu'on appelle guerre est un mouvement de terroristes qu'il faut essayer de combattre ou de convaincre. Et moi, j'ai entendu ce téléspectateur qui a dit que, appelé de Douala en disant que Ayouk Tabe serait leur leader. Moi, je dis que je n'ai pas souvenance qu'il y avait eu une élection là-bas pour élire un leader, mais je sais simplement qu'il s'était autoproclamé président de l'Ambazonie et qu'une fois qu'il a été pris, un autre s'est autoproclamé Ambazonie. Moi, ce que je dis, c'est que s'ils veulent une guerre, qu'ils s'organisent de telle manière qu'ils ont un commandement qui puisse discuter avec les forces ennemies. Et que s'il y a un cessez-le-feu, qu'il y ait une personne qui puisse donner le cessez-le-feu et qu'il sera respecté. Mais si on a des groupuscules qui vont à Bouya brûler la maison de Arbor Bala, parce que lui, il refuse d'être sécessionniste, Il est un avocat qui revendique, n'est-ce pas, les meilleures conditions, la partie du commandant et les meilleures conditions de l'avocat, alors que les autres veulent qu'on sépare le pays, on crée l'Ambazonie. Moi, je crois qu'il faut absolument faire le distinguo entre ces gens-là, entre nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui veulent la paix et pour laquelle nous devons nous battre jusqu'à notre dernière énergie, et ceux-là qui sont à Paris, qui sont à Washington, qui sont en tout cas partout aux États-Unis et qui vont partout aux Nations Unies pour demander une intervention de la CPI, de la Cour pénale internationale dans nos affaires, pour demander l'intervention de l'ONU dans nos affaires, nous devons leur dire que nous ne voulons pas de cela parce que pour le moment, il s'agit d'un maintien de l'ordre. Nous sommes en train de faire le maintien de l'ordre. Nos soldats sont au front pour le maintien de l'ordre. Nous ne soutenons pas qu'on tue des innocents, qu'on tue la population civile. Nous voulons encourager notre armée à rester une armée professionnelle qui ne commet pas les exactions, qui ne brûle pas les maisons des gens. Mais une armée, de l'autre côté aussi, nous déplorons que des gens tuent notre armée et qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, le reprocher. Donc, ma position est simple. Ma position n'est pas d'encourager et d'envenimer les choses, comme certains le font. Ma position, c'est qu'il faut nous regarder droit dans les yeux,
et utiliser les instruments internationaux qui sont avec nous pour dire que dans les deux camps qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous devons soutenir les gens qui dialoguent pour rester dans la République du Cameroun. Nous ne pouvons pas tolérer et accepter les gens qui veulent la sécession et la création d'un État de l'Ambazonie. Notre propos est simple, il est clair, il est net. Et maintenant, si des gens pensent qu'ils doivent utiliser leur casquette politique pour appeler la Cour pénale internationale, je pense que nous aussi, nous avons les instruments de la Cour pénale internationale. Et je pense que c'est le président Barona qui disait, il ne pense pas, et nous n'avons pas peur des Nations Unies, puisque nous avons appelé que les observateurs internationaux viennent. Le Cameroun a appelé que les observateurs internationaux viennent pour regarder quand même, scruter la chose qui est. La dernière chose que je veux dire pour chuter, c'est que l'image que nous avons vue, la vidéo que vous avez présentée, c'est une vidéo d'une télévision occidentale, Antenne 2. Alors, il faut rappeler que les photos que vous avez vues sont des photos que nous avons pu obtenir de nos correspondants qui sont dans la région et qui sont allés sur place, qui nous ont envoyé des photos. Exactement. Voilà. Donc, nous avons vu, en tout cas, les images d'une télévision qui a interviewé des gens, qui a interviewé l'hôtelier, qui a interviewé la maman d'une défunte. Nous avons vu cette maman qui a dit que les Ambazoniens sont venus et ont enlevé ma fille. Ça pouvait être ma propre fille aussi. Ça peut être la fille de chacun de nous. Je ne peux pas encourager les Ambazoniens à enlever les filles pour aller les violer et les tuer. On ne peut pas accepter. Je ne peux pas comprendre comment des gens acceptent cela sous le prétexte que si vous êtes contre les Ambazoniens, vous êtes contre les anglophones. Ça n'a pas de sens. On peut être contre les Ambazoniens et être pour les anglophones. Et moi, je suis contre les Ambazoniens qui veulent la sécession, mais je suis pour les anglophones. Je suis pour les anglophones du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Je suis parfaitement favorable à leur cause. Mais que les sécessionnistes sachent que moi, je ne suis pas avec eux. Que ce soit Beau et Bête, que ce soit mon ami qui s'est exilé pour aller aux États-Unis et qui est devenu le nouveau président, n'est-ce pas, de l'Ambazonie, ou que ce soit tous ceux qui parlent à la télévision ambazonienne, qui sachent que les conditions, n'est-ce pas, pour introduire la Cour pénale internationale ici ne sont pas réunies, et que ce soit clair. Ces conditions ne sont pas réunies, et la porte, aller aux Nations Unies, aller à la CPI, pour appeler l'Occident à venir chez nous, ce n'est dans l'intention seulement de chasser Paul Biya. Vraiment, c'est que vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des patriotes. Emmanuel Cougnier, vous avez la parole. Oui, ce que je voudrais dire, pour finir, c'est que... Hein. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que... Parce que j'ai pensé que vous ne souhaitiez pas, oui. Si, je vais reparler. Non, c'est que nous sommes dans une situation très, très sensible, très, très délicate, et à un moment très sensible et très délicat. Nous avons des difficultés, nous sommes en guerre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le fait que le chef de l'État n'ait pas intervenu jusqu'à présent peut être retourné positivement, c'est-à-dire que ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose si enfin il intervient, parce que je pense du fond de mon cœur que M. Paul Biya, puisque chaque médaille a un revers à deux côtés, M. Paul Biya, de par son âge, peut être aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands patriarches, sinon le plus grand patriarche. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Donc, tout le monde, que ce soit les Ambazoniens, que ce soit les Camerounais de tous bords, comprennent que la situation actuelle est insoutenable. Donc, nous avons besoin de la parole de notre patriarche aujourd'hui. Et cette parole, je l'ai dit tantôt, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que notre président de la République ne fasse pas un long discours qui dit seulement à ses enfants de mettre un terme à ça. Je ne voudrais plus entendre qu'un Camerounais apporter une arme. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne parle plus de la guerre. La guerre, c'est terminé. Il faut qu'il déclare la fin de la guerre, comme il a déclaré le début de la guerre. Qu'il déclare la fin de la guerre. S'il déclare la fin de la guerre, Dieu est au ciel. Et Dieu, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Cameroun puisse se retrouver dans les histoires d'anti-Balaka et anti-Séléka et tout ça. Non, je crois que ce qui s'est passé est exagéré. Même ceux qui ont pensé au départ qu'ils pouvaient poser des actes pour pouvoir faire des pressions, ont compris aujourd'hui qu'ils avaient mal mesuré, n'est-ce pas, l'acte, ils avaient mal mesuré la dimension que cela pourrait prendre. Il n'existe pas aujourd'hui un Camerounais, un seul,
qui ne se sente pas mal dans sa peau par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des images que nous n'avons jamais vues, même au temps de Macky. Je ne pense pas qu'on a égorgé les gens, on a enlevé le sexe. Et quand même on aurait enlevé, les Camerounais n'auraient pas eu la possibilité de voir. Parce que les réseaux sociaux nous ont présenté des images insoutenables. Et je crois que le président de la République ne peut pas rester. Les bras croisés ne peut pas rester. Bouche bée, aujourd'hui, on n'a plus que jamais besoin de lui et qu'il sorte pour dire aux Camerounais, j'ai compris tout ce qui s'est passé, mais vous êtes tous mes enfants, j'ai besoin de vous tous, et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre un coup de feu. S'il le dit, je ne suis pas prophète, mais je peux vous garantir que même les pires ambazoniens auront de la peine, n'est-ce pas, à lever la tête. Maître Bidiga. Même en France, pourquoi tu parles tous des artisans de la paix? Les artisans de la paix, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser un langage qui, pour moi, doit être un langage de paix. Parce que les âmes crépitent, mais la bouche, ce que nous sortons de nos bouches, parfois, c'est parfois plus dur que les armes et ça peut attiser la haine. Je ne suis pas de ceux qui pensent que notre pays doit aujourd'hui faire entrer ici la CPI et autres. Je ne suis pas de ceux qui pensent que dans notre pays, l'ONU doit venir pour jouer le maintien de la paix, etc. Ça sera un échec. Il est vrai que nous, comme Camerounais, parce que nous faisons partie de ces Nations Unies, nous avons envoyé nos militaires en Centrafrique. Le général Toumenta, je crois qu'il est mort récemment, était en Centrafrique. On a envoyé les gens en Cambodge, même le policier, il y a pas mal de temps. Il y a nos frères qui sont parmi lesquels des avocats. Parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé des avocats ici, mais beaucoup plus en mal. Mais je voudrais ici dire qu'on a des bons avocats comme Maître Apollinaire Frotso, qui travaille dans le système de maintien de l'ordre et autres, des Nations Unies et autres, comme Maurice Emmanuel, Emmanuel, non, je parle de ceux que je connais. Quand on n'est pas avocat, oui. De Cameroun, donc que je ne parle pas beaucoup de lui. Il y a Maître Emmanuel Kedja, qui est également dans ce système. Il y a notre ami Djongwane, etc. Donc je pense qu'on est, nous aussi, on va à l'extérieur. Donc c'est bien qu'on ait travaillé, mais je ne voudrais pas qu'on fasse rentrer, qu'on continue à dessiner le diable sur le mur, finira par se présenter et rentrer dans notre pays et créer beaucoup plus de désordre. C'est ça le message que je lance. Et moi, ça a toujours été comme ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent que d'un côté, il y a forcément des méchants et de l'autre, des bons. Il y a toujours quelque part des personnes qui... il y a toujours un juste milieu quelque part. Et je pense que autant nous pouvons dire à nos frères qui prennent des armes, qui n'ont pas le droit de prendre des armes contre notre pays, autant moi je dis, je prends des exemples sur les responsables de notre pays qui l'ont dit. Il y a un général, qu'on a enlevé dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest, là, le général Bilingui Nouma, qui a expliqué qu'effectivement, il a arrivé de brûler les maisons quand là où on avait trouvé les armes. Je dis, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on peut bien combattre ces personnes sans avoir à brûler, par exemple, leur maison, comme on l'a dit. On a entendu le ministre de la Communication expliquer un certain nombre de choses sans nier totalement ce qui est reproché. Donc moi, je dis, ne jouons pas, ne pensons pas que ceux qui pensent qu'on peut, je veux dire, on peut mettre de l'ordre sans forcément violer les textes, la loi. Sans forcément... Tout à l'heure, c'est monsieur qui a expliqué un certain nombre de situations qui étaient réelles. 2008, les émeutes de 2008, par exemple. Dans tout le monde, il y a des désastres, il y a des bavures. L'armée, partout le monde, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux partout. Évitons qu'il y en ait. Faisons même s'il faut, il n'y a pas de guerre propre. Mais autant que faire se peut, défendons notre intégrité, mais en évitant d'aller poser des actes qui peut-être demain peuvent se retrouver contre nous. Alors Gilbert, là vous êtes très prolixe, on l'a vu depuis le début de cette édition. Il nous reste 2 minutes, donc je vous donne la parole. Il va falloir que nous nous posons dans le cadre de la paix, je vous l'ai dit. Et nous, moi, en tant que président du Parti républicain, je prône toujours pour la paix. Hein. Bon, maintenant... ça passe par la dévotion de ce que il va falloir se regarder droit dans les yeux, parce que je sais que notre interpellation ici, à l'endroit de nos frères qui sont dans les forêts, qui en ce moment sont dans des familles endeuillées, ils nous écoutent, ils aiment leur pays, nous aimons tous notre pays, j'estime que cette paix sera préservée, et qui a été toujours, cette paix même qui a été toujours très très préservée. Et nous sommes jaloux de notre pain. Mais je voulais simplement dire que les vieux chantiers d'hier ne recommencent plus. Parce que quand je le dis,
Quand je dis que Metin Biam a deux ou trois villas, ou quatre villas, il a une banque, et que ses confrères peuvent aller ouvrir les comptes là-bas, du côté de, je voulais dire, de golf, du golfe, c'est normal. On peut être avocat et être préserver même la paix en faisant ouvrir les comptes à ses confrères, mais en évitant de spolier les biens publics. C'est tout ce qu'on demande. On peut avoir une banque, et une banque est une banque sérieuse, mais éviter de cautionner, par exemple, les éléments de réponse tels que les biens de l'État. C'est pour ça que, par exemple, j'interpelle les gens comme Ken Mounier. Monsieur Nafouac a plus de 80 titres à Kribi. Et le chef Fifinda en prison pour ça. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Donc, c'est autant de choses qu'il faudrait éviter. Ce sont ces poches de résistance qui ramènent les gars, les gens à la colère. Parce qu'il y a une injustice telle qu'elle est criarde. Et cette injustice, si elle persiste, elle sera pérennisée. Notre paix, dont nous sommes jaloux, nous protégés, va être émiettée. Donc, c'est un peu ça. Quand vous avez un premier ministre qui peut acheter un terrain à 360 000, le même terrain coûte 15 millions, parce que c'est un terrain communautaire. Quand on a enlevé le ministre Angouane, tout le monde a dit qu'est-ce qu'il a fait. Angouane a un terrain qu'il a acheté à 260 000. 260 000 francs, avec une valeur requise de 20 millions. Quand même, maître, vous n'allez pas nous dire qu'on ne puisse pas dénoncer ce genre de truc. C'est même des choses qu'il faut dénoncer avec beaucoup d'ardeur. Et on ne peut pas. Et ce sont ces mécontentements qui suscitent souvent les colères. Une injustice sans pareil. Vous avez des juges qui sont aux affaires. Un certain Elanga qui se balade au Douala, Carros, il a les immeubles, il a avec tous les gens qui sont dans les arcades. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Donc, c'est autant de choses. Je prononce vos noms parce que je vous dis qu'on vous connaît. Ne vous dites pas qu'on ne vous connaît pas, on vous a identifié. Maintenant, arrêtez ça. Que ce chantier s'arrête parce que c'est nous qui payons le prix. On est ici jusqu'à 7 heures parce que nous interpellons les consciences. On veut qu'on préserve la paix. Donc, comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de chuter, maître, simplement. Non, je pense seulement une minute. Oui. Pour dire que sur la destruction dont parle maître Biliga, ouais. L'article 8 sur les crimes de guerre, alinéa 6, là, dit que la destruction et l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire constitue un crime de guerre. Et si nous n'avons pas une destruction et des biens non justifiés par des... Parce que le général a dit qu'ils ont découvert des armes dans une maison et l'ont détruite. Donc c'est justifié par les nécessités militaires. Ici, là où nous sommes dans cette antenne pour parler, et qui est une émission qui est suivie, c'est une émission qui est une réponse aussi à ceux qui utilisent l'effet de Menka comme étant un fait de génocide pour lequel on devrait poursuivre le chef de l'État. Et je dis que cet article, si on pense de destruction, l'article exonère les non-militaires de leur responsabilité pénale. Je chute seulement. On ne reviendra pas. Cette émission est à présent... Non, c'est terminé. Non, on ne reviendra pas. C'est lui qui a pris la police de parole. C'est une seconde, monsieur. J'ai chuté simplement en disant que je prône pour la paix et que ça ne puisse pas gêner un certain nombre de personnes, parce que c'est lui qui a volé mon temps, hein, donc que ça ne puisse pas gêner un certain nombre de personnes. Je suis très alerte et que cette émission a été vraiment une émission à la hauteur et que d'autres gens ne puissent pas me remettre en cause. J'espère que je n'ai pas été très dégoûtant pour mes amis que j'ai cités. Alors, je ne partirai pas, et moi également, je ne partirai pas sans rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent qu'ils sont bien sûr invités à prendre part aux assises du premier congrès du nouveau mouvement populaire qui se tiendra les jeudis 14 et vendredi 15 juin 2018 à la salle des banquets La Providence, 6 à la rue Coloco à Bonapriso, entre le lycée Mongo, lycée Mongo. Joseph, c'est bien sûr le congrès du parti du président Bandakani. J'espère, très chers messieurs, que vous serez également de la partie pour suivre notamment les travaux qui s'y dérouleront. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à maître Jean de Dieu Momo, merci à maître Biliga. Vous avez fait la paix, je suppose. On n'en voit plus. On se lance au palais, on fait pire que ça. Merci également à vous, Gilbert Baronla. Président,
président Bangla. Président, parce que demain, prenez les allégeances. Parce que demain, quand c'est aux affaires, ne venez pas me promettre. C'est pas possible. Voilà. Président Gilbert, président Gilbert Bangla, merci, merci beaucoup d'être venu. Emmanuel Cougnier, vous avez été seul. On attendait d'autres personnes, mais merci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles éditions sur Afrique Média.